C'est vrai, hier, nous étions chez Son Éminence, le cardinal Ambongo. Nous voici aujourd'hui chez Monseigneur le représentant légal de l'Église du Christ au Congo. Je dois sincèrement dire que c'est dans le même objectif, la même mission que nous avons effectuée auprès du cardinal, c'est la même mission que nous sommes venus effectuer auprès du représentant légal, qui lui aussi était entouré des autres évêques, de l'ECC, des révérends pasteurs, également de professeurs spécialistes de l'Église. Nous sommes venus solliciter la collaboration de l'Église du Christ au Congo et nous avons demandé qu'on tourne la page de frustration, de mécontentement né à la suite de l'entérinement de l'équipe de la CENI. Nous avons présenté des explications, je pense. Nous avons fait les pas parce que il est dit, le Seigneur nous demande de faire la paix si cela dépend de vous. Ça dépend de nous. Nous sommes venus demander qu'on tourne la page, que nous allions de l'avant. Nous avons bien des choses à réaliser pour le bien de notre population. Nous n'avons pas à traîner les pieds sur un dossier pour lequel nous demandons la compréhension de tout le monde. Alors, les élections, nous allons les organiser avec la collaboration de tout le monde. Voilà ce que nous sommes venus faire auprès du représentant de l'Église du Christ au Congo. C'est la même mission, de bons offices, de réconciliation, de compréhension et d'entente.